demanding to be oh so strong, but to be told I only want myself to tag along. Follow my shadow, loaded with guilt. See, what I didn't know is patching up only makes a quill. Have too much pleasure from illusion. Je me suis demandé ce que c'était l'Éden. Ouais. Je suis assez ouverte, donc y'a pas de problème. C'était amusant, t'avais des jolies lunettes. J'ai dit ouais, moi je fume pas, mais je le prends quand même. C'est très très gentil. Et ouais, moi ça a fait bien connaître la marque, je vais pouvoir le distribuer à mes amis. Bah, j'ai trouvé ça sympa. Bah, j'étais très content, hein. J'étais très content et surtout que c'est gratuit, j'étais content quoi. Super content. Qu'est-ce que c'est? C'est un site de rencontre pour les gens mariés qui cherchent l'aventure. Ok. Non, pas du tout. Hein. Non, je regarde pas les sites de rencontre. Non, pas du tout. Ouais, j'ai vu qu'elle s'est pas un Tinder. Je connaissais de nom, je suis jamais allée jusqu'à présent, mais je connaissais de nom. J'en ai entendu parler. C'est un site de rencontre extra-conjugal, pour les infidèles en fait. Ah, voilà. Pour moi alors. Non, jamais. C'est bien pour ceux qui ont envie de s'amuser. Ça facilite quoi. C'est rigolo, c'est sympa pour les autres, mais pas pour nous. Ça dépend comment vous voyez les choses. Bah pourquoi pas. Ça m'a plu déjà, c'est moi qui vous ai interpellé pour savoir si je pouvais avoir les lunettes. Si on y va, c'est qu'on a des raisons d'y aller. Voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ça peut être bien pour les personnes que ça intéresse, mais ça évite de chercher du n'importe quoi. Si, hein, j'aimerais bien parce que je cherche même une copine aussi. Elle est sérieuse quand même. Hein. C'est bien qu'il y ait une plateforme. Je viens d'apprendre qu'il y a un site de rencontre extra-conjugale, mais c'est intéressant. Goûter. Dangereux. Ça rime avec tout, hein, avec l'amour et tout ce qui va avec en fait. Avec le danger. Avec briquet. Je sais pas, il y en a tellement. Aujourd'hui, il y a Jolie peut-être. Non, pas Eva, voilà, Eva Longoria, c'est ça. Vincent Cassel. Georges Clooney. Beyoncé. Lady Gaga. Gaga. Et avec Isabelle Carré. Est-ce que je peux rester avec les lunettes?